Côté Corné Carl Lewis. Oui. Canal Kin Télévision, Lilo, Toye, Tomoni, Bandeko, SID, Bazali, Namoa, manifestation à Bango Moko, Yamouke. Mais c'est comme si les militants à Bango, surtout la police, les bossons à Bango, Tina la police, Lilo, Awe Salini. Non, Tina la police, c'est athée, ils ont bien informé. Il y a le retour triomphal du chef de l'État, le président de la République de la RDC, en séjour en Europe, et puis aujourd'hui, il rentre ici. Mais si on est là, c'est par rapport à la protection des personnes et de leurs biens. Nous n'avons rien à voir. Mais nous avons reçu des instructions du chef de l'État. Pourquoi? Parce que le commissariat urbain de la Founan a 80% des sièges des partis politiques dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons une lourde charge. Alors, SID, c'est triomphal. Et voilà, on est là pour éviter des affrontements, des échafaudés, comme nous en avons l'expérience. C'est pour ça que le commandant de la ville m'a demandé personnellement d'être sur place ici pour éviter tout le débordement. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Au moment où je parle de ça, lui-même, il est à l'aéroport pour accueillir le chef de l'État et toute la police ville-province de Kinshasa est aux aguets pour que le retour du chef de l'État soit... Le tout se passe dans le bien et que et l'okomo kamabe et salamate. C'est pour ça que tu as dit à tout. Vandina et Sidé, Naba Konzina Bango, honorable Ndombasi et tout, secrétaire général, Bazali, très content. Vous allez voir que de gauche à droite, les partis politiques, nous les avons sensibilisés. Tout le monde sont calmes, il n'y a aucun problème. La police est au milieu du village, entre autres et autres, toi Nakati. Donc le tout se passe très bien. Il n'y a aucun commentaire. Si j'acceptais de vous répondre, c'est par rapport à vous rassurer que la sécurité est bien assurée par le number one de la ville-province de Kinshasa, le général Kitenge Silvano, qui a ensuite tous les commandants, il y a le commissaire urbain, et avec le commandant Siat, que chacun puisse prendre les responsabilités dans son secteur, et surtout que circulation est à la... fluide, donc jusqu'à présent, rien à signaler. Donc, Binomo Bomonike, le tout se passe très bien. La population est tellement consciente, calme et disciplinée. Et la police est là, donc il n'y a rien à commenter. Donc, je me limite là-bas. Merci. Bisso peut pas dire ça. On te voit qui est capable de te monter. Côté Angambo, bande qu'on a bisso, mususu, parti politique mususu. C'est comme si Bangope, Bazali, que c'est la mukonzambo, capable de s'aider. Tambo, t'es nandenga outi, Mikili Alibanda. Tout le monde peut côté bande qu'on a signé. Basangani, dispatching na blonde, bousal nengé, bousu ba policier, boukaboli, pe na ba oh, Angambo la bango, ba oh, Angambo la bango. Merci vraiment. Message ni mususu. Vous pouvez couper ça. La bande qu'on nous a Bazali qu'on a dans la ville de Kinshasa. Message exact. La police. C'est la police nationale congolaise, ils allient pour le service du peuple. Souvent, il y a des petites incompréhensions, des badauds, des voyous, des gens et animés de sentiments, et de fanatiques, fanatisme ou quoi, animés de sentiments, je ne sais quoi, mais la police n'a pas de parti pris. La police est là pour sécuriser la population et essayer un peu d'étouffer toutes les affrontements au Bebelo que nous sommes à la montée, c'est pour ça que nous sommes ça là. Nous sommes au milieu du village, la police républicaine, donc il n'y a aucun souci et la collaboration est tellement très bonne avec notre population de la ville-province de Kinshasa. Mais nous savons que dans tout le monde, dans la nature, des petites incompréhensions, ça ne manque jamais. Mais sinon, dans le 95%, et c'est dans les bons. En tout cas, merci, nous aimons notre population. Et nous continuerons toujours à les aimer. Nous étions d'abord des civils. Aujourd'hui, nous avons choisi de servir notre pays sous les drapeaux. Et nous allons nous comporter comme à l'époque, avant que nous devenions ce que nous sommes aujourd'hui. Merci bien. Merci Nabilo Nyonso. Vous allez dans l'émission Nabino Barrière à Kinshasa, la chaîne Nabino Canal Kin Télévision. Vous voyez que Lelo, Bande Konabiso, à côté de la Mouka. Bah, Luka qui a la moins activité par rapport à Ndeko Nabango, ou à perdre Ndeko Davin Kalala. Ils arrivent une journée à Lelo, il y a un bon nion, il y a un Lelo, et la police, Ndenge et Telemiwana, Oyo et Simbami, Nina Bissou et Founam, Oyo et Simbami, na colonel Carl Lewis Kinzomba, Oyo Azali, na terrain, pour nous circuler, pour contrôler terrain,
na cadre ya moko oya biso pasi mi ville ya Kinshasa moko ya ba général Silvano Kasongo tusengi mingi na longoni na la police na biso ndenge ezali ko contrôler terrain yango toujours kitoko ete bandeko na biso nyonso ya lamuka ya esidé ya nouvel élan oyo bosangani lelo awa soki bokanisaki makanisi ya mabe boyebaki la police azali wana mpona kosurveiller bino mpe mpona kobatela population na babienai merci tokota na kati tolanda nini oyo ezali koleka lelo awa na kati ya esidé merci tolanda naza na esengo lelo ya koprésente bino émission na bino oyo bolingaka mingi bariété ya kinshasa canal kin télévision chaîne na bino chaîne ya munene oyo bozali kolanda biso partout dans le monde mikonjoli mopanzi sango na bino ngai ye lelo tozali awa na kati ya siège ya esidé tozalaki awa kobanda lobby toyaki ifale tozala na conférence de presse awa na bandeko ya esidé balobela makambo tali moko ya bandeko na biso oyo bazobenga ye héro na kombo ya Davin Kalala oyo toutai koperdre ye kobanda mokolo ya marche oyo eutai koleka oyo ndeko na biso ndeko Martin Fayulu na marche basalaki ya lamuka mais lobby na kokoma na biso awa tokutaki la police libanda bazalaki ebele pe tomonaki quelques militants ya différents partis politiques oyo bazali derrière IDPS mais conférence de presse tant au côté na kati pour tout ça la yango et ça la ministre par rapport ya raison oyo ba pesaki biso na ba dirigeant ya SID ba lobby qui point de presse et que ça la mate parce que ba se sentir ba na insécurité alors toujours qui moi temps ya kotambusa micro na biso ko bima libanda ko kutana ba ndeko ya la police ko tuna bango mituna tina nini la police boye ko se retrouver liboso ya siège ya SID bino moko bolanda tuyibisa rabino TV ezali radio T TV ezali oh tuzali ko loba bino ba toujours de la nation ba ndako il faut bozo temps botela ba image oh to kutana kina colonel Carl Lewis lobby liboso ya siège ya SID bokomo na pe nenye la police azoki tana e akaboli ki côté kuna bato ya ba parti oh bazali allié na IDPS ndenge ba telemani bazaki bele pe awa toi kutana colonel Carl Lewis bino moko bolanda ndenge colonel Carl Lewis to tuna ki mituna pourquoi Azali liboso ya siège ya SID. Azo ki pe temps a expliquer ki biso. Patintumbu, mais quand on ko balancer biso image oyo ya colonel Carl Lewis Kinzomba. Tolanda. Merci na bino nso bolandi ba image boyo ki ndenge colonel Carl Lewis a oti koloba a tali si biso ki ko koma na bango a ezalaki juste pona ko éviter moi bambiska des ala moi makelele ala moi désordre moi ko soit na parce que lobby pe ezalaki jour oyo mukonzi amboka autaki libanda ndeko na biso mukonzi amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo nzela na ye pe ezalaki ya koleka yango alors pona ko éviter ba affrontement et salamate yango la police azalaki wana pona ko encadrer bango alors lelo bandeko na biso ya lamuka ndeko na biso ya décidé ba bengi biso sur la point de presse lelo après point de presse to rozala susu na mes na bango na pokwa pona ndeko na biso oyo autaki kotika biso ndeko Davin Kalala oyo bazali kobenga ye héro na kati ya SID tolanda point de presse ya lelo soki ekoleka ndenge nini soki bakoloba na biso nini mbe soki bakopesa biso programme ya jour oyo matanga ya ndeko na biso Davin Kalala ekobima merci Pati Tumbu yunozali réalisateur monene na kati ya émission bino bariété Kinshasa mais bozwa temps bosabonner ebele na canal Kin Télévision na ligne bino mingi merci na les grands coachs Gilles Boulembi les grands coachs ndeko Zulu oyo bazali kobenga ye Mikolo Founande aye, je suis Founa de Gozulu. Merci Nagin Poutou, mon chief. Merci Nabilo Nyonso, merci Nagin Joli Oza Kona Nabso depuis Aliman Le King, na Maman SP. Merci Napanchiton Joli Oza Kona Nabso depuis Paris. Merci Nabilo Nyonso, Maman Lia. Merci Nafatu Clo Yabafa. Oumela Nayo, Maman, Bolanda Image Oyo. Te Bande Nini, point de presse Yalelo Eroleka. Tolanda. Ça sera juste un point de presse que nous tenons aujourd'hui. Donc, ce point de presse aura deux phases. La première phase, ça sera que le secrétaire général de l'ESID prendra la parole pour nous parler de la circonstance de la mort de notre Mwanamboka Davin. Et la deuxième étape consistera à ce que la déclaration soit faite à ce sujet. Donc, sans pour autant abuser de votre temps, nous vous prions déjà de bien vouloir prendre les dispositions utiles pour que nous puissions débuter. Mesdames, Messieurs
de la presse. Nous nous retrouvons ici dans une circonstance douloureuse, de tristesse, d'angoisse, tout simplement parce que une frange de nos concitoyens a décidé, dans l'intolérance politique, de plonger notre coalition, notre parti politique, dans cette circonstance. De quoi s'agit-il concrètement? Le 16 septembre, la coalition Lamuka avait appelé les Congolaises et les Congolais à une marche pacifique. Je dis bien une marche pacifique pour réclamer la dépolitisation de la CENI, combattre la planification de la fraude électorale et dire non au glissement par rapport au délai constitutionnel fixé pour la tenue des élections en 2023. Cette marche a été légale. La procédure a été suivie et respectée. Et l'autorité urbaine en avait pris acte. Nous avons pacifiquement commencé la marche sur l'avenue Kianza, dans la commune de Ngaba, district de Moamba. Vous avez été témoin des marées humaines que le commandant du peuple, en sa qualité de coordonnateur en exercice, accompagné des membres du Présidium, je cite le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito, vous avez été témoin de l'événement et comment les Kinoises et les Kinois avaient répondu massivement à cet appel. On a pris possession de notre parcours jusqu'à destination. La manifestation s'est terminée dans la sérénité. Et c'est au retour de la maison que les milices tribales, politiquement organisées, ces milices se sont constituées en bandes expéditives et punitives pour traquer les militants de nos partis respectifs qui retournaient paisiblement chez eux à la maison. Messieurs, mesdames de la presse, notre compatriote, notre résistant, notre camarade Mwana Mboka Tafé Kalala, au retour de chez lui, il a été intercepté au niveau de la 10e rue Limété, tabassé, poignardé, sauvagement, jusqu'à s'évanouir.
et gratuitement. Il y a un officier de la police nationale congolaise, témoin de l'événement, qui est venu à son secours, mais c'était déjà tard, l'a conduit à l'hôpital Saint-Joseph de Limete. Il a passé 2 jours dans le coma. Et le deuxième jour, nous sommes allés en délégation du parti le réconforter. Je suis arrivé, j'étais à son chevet, au lit. J'étais au lit où il était dans l'inconscience totale. Le médecin était en train de m'expliquer les conditions dans lesquelles on l'avait reçu. C'est pendant qu'il m'expliquait qu'il a commencé des mouvements de dernier souffle. C'était pénible parce qu'il a rendu l'âme à ma présence. Et nous sommes sortis vraiment émouvants, inconsolables. Et nous avons annoncé le décès de notre camarade. Voilà, chers amis, nous avons décidé de lui rendre les hommages d'un véritable martyr de la démocratie. C'est un vaillant combattant tombé au front pour la démocratie. Il est victime de l'intolérance politique. Nous pensons que la police nationale congolaise, témoin de l'événement, les médecins qui l'ont reçu et qui ont établi un rapport médical qui atteste qu'il est mort de suite des coups et blessures reçus de la part d'une milice tribale politiquement organisée, bien identifiée à la hauteur de la 12e rue Limité. Nous espérons que les avocats de notre parti qui s'activent vont déposer une plainte pour que les enquêtes soient diligentées, les coupables soient rapidement identifiés, punis et doivent répondre de leurs actes. Pour terminer, ce que je veux dire, chers amis, notre combattant est parti, mais nous restons avec lui dans une communauté de destin. Ce qui lui est arrivé pouvait m'arriver, pouvait arriver à Maman Chantal, pouvait arriver à l'honorable Ados, pouvait arriver à M. l'abbé Faustin Kwakwa, pouvait arriver à Nova, à n'importe qui de notre parti ou de notre regroupement politique. Nous ne l'oublierons jamais. Il a rejoint un deuxième combattant mort sous les balles des intolérants du régime FCC Cash. Notre compatriote qui est décédé lors d'une marche pour la démocratie à Goma, M. Defao Paluku. Les deux compatriotes doivent savoir, nous restons en communion de destin, formons une communauté de destin. Et les martyrs de la démocratie, les héros du combat que nous menons, on ne les pleure pas comme on peut le faire de manière ordinaire. Mais on continue le combat. Et ce combat pour la démocratie, pour un état de droit, pour lequel nos compatriotes ont sacrifié leur vie, ils ont versé leur sang. Ce combat, nous allons les mener. Nous sommes convaincus que la victoire appartient au peuple congolais. Et le peuple congolais va vaincre. Et les fraudeurs, les tricheurs qui gouvernent par défi ces pays
doivent savoir que le temps est maintenant compté et que leur fin approche. Je vous remercie. Je vais passer la parole à l'honorable Ados Ndombassi qui va lire le mémoire qui a été rédigé pour en mémoire de notre regretté Mwana Mboka Davin Kala. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Je tiens aussi à saluer la présence du secrétaire général adjoint, la PUPABOA, et aussi de Alex Dende, Exus Légal, qui est le secrétaire national chargé de l'implantation du grand parti SID. Et aussi, grand merci de la présence de Prince Epengue, qui est l'un des grands partenaires de notre parti politique SID. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et membres de l'assistance, à vos titres et qualités respectifs, nous tenons à vous remercier de tout cœur de votre présence à ce point de presse, et ce, en dépit de vos multiples occupations. Soyez-en rassurés, ce geste nous va droit au cœur et nous réconforte en ces moments très difficiles pour tous les résistants. En effet, le point de presse de ce jour est de présenter officiellement au peuple congolais le programme des obsèques de notre regretté résistant et martyr de la démocratie, M. Davin Kalala, qui nous a été arraché si cruellement par des intolérants manipulés par des politiciens véreux de ce pays. Mesdames et messieurs, Davin Kalala, père de famille, avait 40 ans, responsable et épris de nationalisme pour son cher pays. L'illustre disparu ne rêvait que d'une seule chose, pouvoir élever sa progéniture dans un Congo des valeurs, où les règles démocratiques fixées dans la Constitution sont respectées. Et, dans la quête de ce Congo-là, il avait alors décidé de s'engager activement pour pouvoir apporter sa contribution à l'avènement de ce Congo. Voilà pourquoi il était là le 16 octobre 2021. Tandis qu'il exerçait sa liberté constitutionnelle de manifester, selon l'article 26 de la Constitution congolaise, des militants intolérants, impulsifs, violents, se sont gratuitement attaqués à lui et l'ont sauvagement assommé à coups de barre de fer au niveau de la nuque. Quelle cruauté! Quelle sauvagerie! Acheminé à l'hôpital Saint-Joseph de Limété, notre martyr de la démocratie succombera 2 jours plus tard de ses atroces blessures qui avaient causé une hémorragie interne. Sombré dans une profonde douleur, le parti organise depuis l'annonce de son décès des instants de recueillement au cours desquels ses familles biologiques et politiques, ses proches ainsi que ses amis et connaissances passent régulièrement pour y signer le livre d'or ouvert pour des hommages. Malgré la peine qui nous étrangle, nous avons le devoir de nous armer de beaucoup de courage pour se lever et dénoncer les pratiques barbares ayant causé cette tragédie que nul ne peut tolérer dans un État dit de droit. Car il ne suffit pas de clamer à temps et à contre-temps que notre pays est un État de droit pour qu'il le soit. Encore faut-il le vivre en réalité. Qui a dit que lorsqu'on exerce sa liberté de manifestation sur la place publique, dans le respect de la Constitution, on y va pour rencontrer la mort? Où a-t-on déjà vu, dans un État de droit, le siège d'un parti politique vandalisé parce que ses membres désapprouvent un pouvoir illégitime et qui viole de façon récurrente, la Constitution? Pourtant,
le siège de notre parti a été impunément saccagé à 3 reprises par des intolérants bien identifiés. Cela est simplement inacceptable. Mesdames et messieurs de la presse, pour chuter, chers distingués invités et membres de l'assistance, l'heure a sonné pour que nos opinions politiques divergentes nous mènent vers une unité vécue dans la diversité, pour que l'intolérance politique cède la place à la tolérance mutuelle et que la cohésion nationale soit préservée. Pour ce faire, les crimes de ce genre doivent être sévèrement réprimés et nous exigeons qu'une enquête sérieuse soit diligentée pour que les auteurs de ce forfait ainsi que leurs commanditaires répondent de leurs actes devant les tribunaux compétents. Et en cœur, nous disons plus jamais ça. Ceci dit, voici à présent le programme des obsèques de notre martyr de la démocratie. Vendredi 5 novembre 2021, 12h, point de presse et lancement des obsèques au siège national de l'Essidé. 15h, messe de requiem à la paroisse Saint-Joseph de Matonnier. 18h, début de la veillée mortuaire au siège national de l'Essidé. Samedi 6 novembre 2021, 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limété. 11h, exposition du corps au siège national du parti. 13h30, levée du corps du siège national du parti et procession funéraire jusqu'au cimetière de Kitambo. 16h juste, bain de consolation au siège national du parti. 18h, fin de toute manifestation. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Merci au secrétaire général. Tozalaki Namjili, dans le 16 septembre, Tango, président élu, Martin Fayulu, à Sangisa Kibana Kinshasa, pour la meeting au Eleka Kikuna. Pewana, Alobaki, pour la Konzongisa, na Baye Bazalek, on a Banaï Kosenga, marche et salema. Mbelawana et Pesamaki pote na Mokolo ya le 16 octobre. Le 16 octobre, marche et salema na Kinshasa, Mingi Peta, Uto, quartier ya Ngaba, na rue Otobenga Kakianza, Batu Bazalaki, Ebele et Sikawana, Ebele, Ebele. Marchwana et longwe na Kianza et singele kaya kosuka na limete. Nzokande, yambo penza tozali na ma na limete wana na boulevard. Tokutani mbala ya yambo na bato oyo ba bengi ba militant ya UDPS na siège oyo ya bango. Tango tozali kokita ba yewana po ba kare biso ba bandi ko bwa ke la biso ma banga ba nzete ma bende bongo na bongo meto kitaki sans que to zongisa to yeti esika marche singela ki ko suka ba to banso bazalaki wana pe ba yoki oyo president élu azalaki na yango lokola liloba pona bo zongi na wandaku se wana ndeko na biso dada azalaki pena baninga basusu bazo zonga bandeko oyo ya UDPS milice oyo bango moko na kati ya parti na bango bazali ko former bazali ko tinda bango po ba sala mobulu po ba yeba ko finga ko beta ba ebanso bazali na makanisi mususu na maezali kotale la boni boni mboka na biso ezali kotambola bango balingi banso tozala lokola mpata donc bameme tokoki kolobate tokoki komaniola te
Bobele totala katobeta kamaboko na ndenge bazali koyiba tobeta kamaboko na ndenge bazali kosala ata eloko moko te tobeta kamaboko na ndenge bazali ko respecte ata mokolo moko te constitution bazali kozwa mibeko oyo esengeli kolanda constitution te bango balingi bobele tobeta kase maboko mais biso tolobi non tokoki kosala bongo te voilà tina oyo babadai kobeta bato oyo bayaki na meeting ya président élu Martin Fayulu ndeko na biso davin baye kozinga zinga ye babeti ye nzete na mutu libende kutu babeti ye et puis akwei nesika o wana se bongo officier moko ya police aye kolokota ye po amema ye na hôpital ya Saint Joseph tango akomi kuna azoloba te azoningana te akoti na oyo babengi na français comment nsima mikolo mibale ndeko aye kokufa yango tolobi ata ndeko akufi azali solo martiro ya démocratie mpona mboka na biso elongo bani ata moke te baloba te RDC ezwi état de droit mais nzoka nde na bizaleli ya bato oyo bazali kokanga ntongo midi pokwa tozali na état de droit bango balingi te baninga basusu baloba liloba oyo bango basepeli na yango te oyo babengi na lopoto intolérance elongo bani te te na kati ya état de droit oyo elingi koloba mboka oyo ezali kotosa mitindo pe ezali kosala manso te mitindo oyo ya buku ya constitution esalema bango balingi bongo te yango tolobi ndeko na biso azali martiro ya solo ata akei tokoki kobosa na ye ata mokolo moko te ye lokola oyo akufaki mpe na est na goma ndeko de fao bango babale bakomi lelo bamartiro oyo ya biso tokoki kobosana te tokolanda se komba oyo tozali na yango te na liberation ya peuple congolais tozali na elikya ya solo te peuple mokonzi asengeli kolonga komba oyo mpo ezali respect ya dignité ya peuple congolais respect ya badroit ya peuple congolais respect ya bokonzi ya peuple congolais yango tozali kowela yango tozali kobundela mpe ndeko davin kalala ye azali mokitalo na biso biso tokotikalaka na nsima na ye te na suka yango totondi bino botondi lokola boye awa mpe tokolika te mai boyoki bokopanza yango lokola bozali bapanzisango mokili mobimba kongo mobimba bayeba likambo oyo bapesi biso manaka ya baaktivite oyo tosengeli kosala mpona kokundola ndeko na biso davin nsima ya masolo oyo tosali tozali kokende na misa na paroisse saint joseph ensima ya misa a partir ya 18h tobandi nde milulu ya veille mortuaire lobi na ntongo na 9h toke kozwa ebembe na morgue ya saint joseph mpe tokoleka awa na 11h mpo ya komemia ebembe wana na 17h pardon na 13h ebembe na biso banso na makolo tokokende nango malembe malembe te na lilita ya kitambo nsima wana osima bokundi tozongi awa mpona mwa kopo oyo tomesali okokabola soki nini elilaka ezali na 18h manso masuki topanzani tokolika te ntango tokopanzana bakoya kobomela biso te basusu lokola benemi wana bango bazokomitiana esika benemi mpo ya kobeta kosala bambeba bazokanisa te bongo nde bakokamba ekolo oyo me biso tolobi tokobanga eloko moko te natondi bino botondi
Merci Nabino Nyonso oyo bozali kolanda émission Nabino Barrieta Kinshasa na Canal Kin Television. Tokomi na suka bilomo bolandi point de presse ya bandeko na biso ya ICD na souci pe mawa oyo bazali na yango na ndenge bazali kolela moko oyo ya bango ba perdre ndeko Davin Kalala awa pe toyambi bandeko ya Davin Kalala oyo neve na ye neve ya ndeko Davin Kalala mbote ndeko ah mbote ndeko se présente comme bonani nga comme na Mitterrand neve ya Davin Kalala wa vandi na ye de temps en temps wa yebi Nenga parcouru Vinae et Zangaï, dont le rôle a témoin killer. Il y a Vinae, Nenga Nazaboué, Nenga Télémiboué. Alors, Neko Davin Kalala, tout le monde est là parti, va s'aider les points de presse, va annoncer Bissot déjà le programme Nyon son Nenga Zali. Après, Ande va s'aider les points de presse, au Tozo qui est né Messe na Saint-Joseph, et après, l'Obi Antermen Zali, ni Nokoyoko Bakisa, au Italie, parti Mouné le roi ici. Oui, merci pour la. Et lancement et obsèque na ndenge ba lancé et na monique parti les ensemble na biso famille il y a famille biologique il y a Davin Kalala na moni na ndenge ba lancé oui c'est réellement tondi miseko na ndenge to moni présence il y a équipe mobimba il y a bakozi il y a parti politique la muka SID et na ndenge ba lancé programme na ndenge ba élaboré tous vraiment ensemble na bango na monique oui c'est réellement ils a une grande partie à cause de responsabilité à cause de charge il y a makambo nyoso il y a matanga ou soit il y a kufa ya noko to moni na ndeyi ba élaborer programme et ça royal a tous ici point de presse et si ko na oye uti ko sama et pa imoko le secrétaire général de Vos Kitoko to moni présence ya maman Chantal présence ya il y a honorable Ados Ndombas ba cadre presque il y a parti tout le monde bango présence na bango et ça lié c'est mon maka c'est pas ya biso membre ya famille tout d'abord et pas na ngamo ko ne venaye et Mitterrand na moni que c'est réellement pour parce que na tongo to kenai ko tika ba bilamba na moke na moni oui c'est réellement corps et ko bimalobi c'est confirmé ah toujours kenai justement tine église na paroisse Saint-Joseph Amatongé pour tout participer à la messe de requiem il y a diwa ya noko na moni c'est réellement tous ensemble na parti monene o abengi SID la muka merci na bino nyoso bozali kolanda toujours canal Kin Television mais toujours pour cela sous moi muke pour l'okuta na bande comme sous toujours pe ndeko prince pengé to e bande ni to ko so la famille zale kaka yo moko to boya ki combien bon tu yaki na moninga na ngai ndeko na nga moko o azape neve ya Davin Kalala na moni auti kolanda papa leki ya Davin abengi biso ki azape libanda na zokota na bino ante soki bazape mais et de tout à l'heure ezangane munupenda na se présenter devant bakozi mais makam nyoso ya kosolana eza papa leki na noko mais de tout à l'heure ngam na za communiquer de temps en temps na parti et Zangaï Mitterrand, le monde qui va bien qui va se présenter tout ça, n'a pas de presse, oui, ça m'a l'élu. Ok. Merci Ndeko Mitterrand, bon courage, Kaka, Nzamba et Bindeli Narosal. Merci. Merci. Merci ngai na bino tozali awa émission na bino barrieta Kinshasa bozomo na tozokota partout tozo solola tozotala nini zole kala mboka tolobaki réalité nyonso to oyo olega na ville ya Kinshasa to relaxa bino yango tozela muke après tokota to mona nsusu ndeko na ngai prince epengé yepe ameka kopesa moi makanisi na ye par rapport ya point de presse ya lelo toleka mbote prince epengé mbote ndeko lelo tozali na siège SID tomoni point de presse na ndenge leki yo bozali moko la kati ya ba parti oyo esangana na bandeko ya SID message noko pesa par rapport à point de presse ya ndeko na biso oyo to bungisaki Davin Kalala oh eto lobi obe le coup maison na Nzambe parce que nyoso sama na mokili quelque part tokyo ya lingite ko sala mate mais Nzambe pa pese so mayele ya koyeba ko préserver. Hein? Oh benga le prochain na Bible ya nini? Ndeko na yo moninga na yo o azali na pema pembeni na yo. Lolenge oyo ndeko na biso Davin Kalala.
qui me rappelle au même moment des fans au Palouk où il y a Koufakana match en 2019. On se demande pourquoi ça. Bateau, lobby, bah, il a été des droits. On suppose que ce qui a été des droits, c'est que dans le Bosse, il y a une dictature. Dictature, il y a des droits. Mais pour nous, il y a des droits, il y a des droits. Pour nous, il y a marche. C'est que tu as une état de droite, tu as toujours la continuité à la dictature. Dès qu'on a vu ça, dans 20 cas, là, tu as un qui a été en marche, à Kafou Kafou, marche à Bendabika, à la Mouka, le 16 octobre. Oui, mon cousin, Martin, fait le peu de commissus. Il a été en Zéla, il a été en Zéla pour qu'il y ait un cas de Manasséni, pour qu'il y ait un cas de Manasséni, pour qu'il y ait un cas de Manasséni. Marche, il y a un cas de Tchango. Kaka pona kuluka kima toliko longona ona changu toliko reportangu pa to boya ka bande ko bakufa toliko changu na ngaba mais malgré cela to tamboli mokolo iwana bomona ki tsunami ime lenge bana ki sasa ba yaki kola ki saete ba boyi kadi manaseni to tamboli te na premier limité marche sili président Elia lobi me to betela ba police na biso maboko pote ba batela ki biso malamu. Kasi tango marche esili, tango bandeko na biso ya matete, ya ngaba, ya lemba, ya masina, ya kimanseke, maluku nsele, pe ya limete, selemba oba kozonga, na dixième ri limete, ba dongolo miso, banguna ya Congo, bato ba kamba enkolo nako, bache barrière. Babi mwana ya lamuka moko te moto mnyoso auti na marche ya Fayulu akoleka awate soko lingo leka ifo cha maboko mibale na likolo ko sa genuer de vaille de pesse soko boyi ebe yeba te mbeli nde ke za na nzoto nawo dave kanzi la lazaki ba oyo bande ko leka na peut avant na kinseso tango akozonga na 10e riwana ba bandi bango chasalom ti azako betaye mabaya ba madrien na mutu komanda 10e ati na 12e sika kana okwe na terrasse ba cheveye sika yewana na banzete policier moko ya kiwana a blokoti ba memie ti na Saint Joseph kuna asami komi ba na koma malgré ba intervention mwa ba moye bimaki pote bazwa ba soin ayi kokufa na l'hôpital po na nini ko botola moto bomoyi kaka po atambole a boiseni oyali politisé kaka po atambola boyi kadi manaseni après ta outina marche à la moka parce que outina appel ko marche na muzito ko marche na Fayulu na prince penge nde ba ko botola ibomoyi ikambo iwana to kondane yango bande ko na biso aide pese baye baete Congo ezali ya bango moko te na tango ya kabila pe kabila kanisa ke de Congo ezali ya yemei suka suka to iko la gsaye de Congo yali ya biso banso la violence na appel ke la violence moto nyoso ko koza la violent la muka oyo to moni na davin kala la oyo ezali malongate to lobi na davin de ko davin camarade na biso ami na biso e enro lenge to lela le crossimo kenyende to kolela lenge to kenda sika na misa ngana matonge awa to lobi na ye abundi akufi pona ko senga ete demokrasie kota demokrasie ikokoto be na nzela ba election so ki ba election ezali transparente so ki ba election ngo president na yango ali ko respecter volonté ya peuple. Dave abimaki pona koloba soki botie kadi mana seni kadi makako sala potopoto lolenge nanga sala pona biso meilleure façon ya kolela davin ezali ya ko respecter combat na ye akinen 2023 Congo ezwa mokonzi ya mayele mokonzi oya na vision ya solo mokonzi oya kokoma lokola wayawaya te mokonzi oya ko chama kolo na Congo ko vanda na Congo pe ko réfléchir pona ko pesa ba solution na bana Congo. Dave akufi pona kuboya pigeon voyageur na présidence de la République. Dave akufi pona kuzwa mokonzi oyo akufuka ba bamindelete kasi mokonzi oyo bamindele bakwa kufuka maliboso na epote basinye ba compte ko Congo ko bénéficier pe bango pe bako bénéficier. Donc pona maso iwana biso to konore mémoire na ye na ko continuer combat oyo. Ngo moni marche ko ya mokolo ya les 13 bana ya Congo belé bako bima na nzela pona ko continuer combat ya davin. Na maso iwana to lobi justice et salama. Biso vengeance ya lito pote Biblie elobete vengeance ezali ya Nzambe. Meto kosengo be justice. Pe bay ban so bana la mukanyo so to no mémoire ya davin. Loko la volonté na ya la kete ka di malo ngona seni
toko bunda tino kadima okenda mais au-delà ya kadima na 2023 changement ya solo et ya na présidence pe na bisika banso pete mwana Congo amona bomengo ya Congo pe bonsomi ya mboka oyo Congo. Merci ndeko epenge na ebité ce qui ndeko l'existe pe ya ko bakisa ko kozala tozoye mo muke so ko bakisa mo ni loba muke mbote ndeko l'existe mbote moi message ya muke na bande ko bazotala biso même na libana ya mboka par par rapport à point de presse allez. Non na sur au filmé belé batuba moni peut-être batumsu bazala ko kanisa ke zalaki ezalaki ya soloté que peut-être que c'est là qui frouille l'esprit tant que zolo bak milice wana oyo bande kona biso ya limité bazaka entretenir finalement ba sali trophée na bango ya munene ya liboso parce que bazala qui décider et puis ba zolo ba yango naza sur bo monique ba sali be ba vidéo mutsu mikolo o bazola ki sake bango ba kufisa batu et que bango ba ko protéger pouvoir na bango donc baza prêt à koboma. Bref, bah si babomi déjà, tout ça qu'on espérait que justice et que salam salam nango pour tout ça qu'a na espoir que justice est pour na camp mon côté. Pour biso tout ça bah légaliste, tout là na rama kamundenge faut ezala. Dès qu'on a biso akei na kui nama, akei na na haine naturelle au batouana bazali ko cultiver pour au fond ceux qui bazala qui sûr que bango ba gagner ki élection ndele ba respecte ka bato nyoso ba contester ka pe bango ozomona mais comme bazana bango sûreté comme bazo banga élection comme bazo kanisa ke tozungi na MPR to ebi pe pona nini bazo sala makam lokola batu ya MPR regret na biso ezali ka kwana mais ya touroyo batu penza bazali ya kufa bazali omoni banda defa kufa na surprise autoloba na ndeko davin ya kei to ko senga mboka mobimba emona nature ya pouvoir ya UDPS po makambo to kansagi ke to ko vivaka ngolu susute mais comme bango ba vivaka yango et puis to kansagi ke bango ba lobi changement c'est que changement ezala changement ezali na ngote continuité ezala ndeko Félix Tshisekedi yemoka lobaka na Genève tant ba auto voter candidat commun à l'obaga que hier a voté Martin pour ébé qu'ezali changement. Batunaye ceux qui bandimité ceux qui balingé mutumsusu pour continuer à zala candidat à continuité bah voter mutumsusu. Omoni tellement mutumsusu mutaya hier mokaya continuité yango tozali komona ezali regrettable que père de famille ya mnene boy akei alors qu'abima qui naye normalement à ça la marche normalement pour ébé que nyonsu ezali encadré na loi ou nyonsu ya ça les ali mabete mais akufika kalikolo ya intolérance ya baninga na biso et loka na koloba kokunda mabosi bozu déjà programme nyoso boya ebele bana mboka boya ebele tokendo kunda muninga na biso tokendo kunda congolais wa zali lelo martyr ya démocratie parce que a sala ke loko morte à part kobima pona ko réclamer ndenge jour na biso za koloba mambi ya basenia indépendante nyoso a sala lelo teme bande ko babomi voilà. Merci Nabilo Nyonso, merci Nandeko Alexis, merci Nabilo Nyonso tout, Bolani, émission Nabilo, na canal Kin Télévision, na Yabilo Mopanje Sangomi, Konjoli, na Komi, na Souka, na Sengi, merci na les grands coachs, Ndeko Jude Boulembi, Ozo Koche, Mikolo, Tozo Bengaye, je suis Founa, merci na Gimputu, Mokonzi Nangaye, merci na Pati Tsumbo, Oyo, Azo Lamba, ba image OOP, Azo Lamba, la machine, Kuna Poite, Bilo Nyonso partout, Bozo Talango dans le monde, Bozo a toujours dans les bons, Nabiso. Canal Kin Télévision, vous abonnez toujours ebele na canal Kin Télévision pe bolo na mingi émission na bino variété à Kinshasa.